Et allez, c'est parti pour de l'anglais. Correction d'erreur pour commencer. See each other every day. Ils se voient tous les jours. She likes to have her friends over. Elle aime recevoir ses amis. Elle aime recevoir ses amis. Nous adorons recevoir des amis. We love to have friends over. He often has friends over. Il reçoit souvent des amis. When are we going to the movies? Quand allons-nous? Quand allons-nous au cinéma? Should we go to the movies? Allons-nous au cinéma? Il reçoit souvent des amis. He often receives. He often receives friends over. He often has friends over. Reçoit. Ah, has over. Ça te dit d'aller faire les magasins? Should. 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 You want to go shopping? Do you want to go shopping? Elles se voient tous les jours. They see each other every day. On va faire les magasins demain? Hello World Digital Key, how are you? On va faire les magasins demain. Do we go shopping tomorrow? Should we go shopping? Il reçoit souvent des amis. Ah, je vais essayer ça. He often receives. Ça te dit d'aller faire les magasins? Do you want to go shopping? On va faire les magasins demain? Should we go shopping tomorrow? C'est le passé. It's the past.
I talk about you to my entire family. J'ai parlé de toi à toute ma famille. Ah, je sais plus si c'est ou si je parle. J'ai parlé de toi à toute ma famille. Je parle. Ah, je sais plus comment on conjugue au passé. Talk. Told. Maybe. Il adore faire les magasins. He loves to go shopping. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Do you have a good memory? Elles font les magasins chaque samedi. They go shopping every Saturday. Je suis né au 21e siècle. I was born in the 20th century. 21e. Ah non, c'est 21st. 21st. Ils sont nés au 21e siècle. They were born in the 21e. 21st century. Mon grand-père parle souvent de ses souvenirs. My grandfather My grandfather often talks about his remember souvenir. Ah oui, c'est ça. When are the cats going to be born? When are the cats? Quand les chats vont naître. Quand les chats vont naître. Quand est-ce que les chats vont naître? Quand les chats vont naître? Quand est-ce que les chats vont naître? Ouais. Your baby was born. Congratulations. Ton bébé est né. Félicitations. Ton bébé est né. Félicitations. I talk about you to my entire family. Je parle de toi à toute ma famille. When are the cats going to be born? Quand est-ce que les chats vont naître? Je reçois des amis ce soir. I receive friends. I receive friends tonight. Ils se voient tous les week-ends. Ils se voient. Alors, they see each other every. Nous aimons faire les magasins ensemble. We like to go shopping together. Elles sont fatiguées ce soir pour
Elles sont libres. Are they free this evening to have dinner with us? Elle aime recevoir ses amis. Elle aime. She like to. She like to receive her friends. She likes to have her friends over. On mange au resto demain soir. Should, ouais, je sais pas. Should we eat at the restaurant tomorrow night? J'aime écouter du jazz quand je reçois des amis. J'aime écouter. I like to listen jazz when. J'aime écouter du jazz quand je reçois des amis. I like to listen jazz when I receive friends over. I like listening to jazz. I like listening to jazz when I have friends over. Je dois retrouver mes copains à 8 heures. I have to find my friends at 8 o'clock. Je dois retrouver mes copains à 8 heures. I have to find my friends at 8 o'clock. I have to meet up with my friends at 8 o'clock. Where are we going to have lunch? Où allons-nous déjeuner? Elle aime recevoir ses amis. Elle aime recevoir. She likes to receive her friends over. She likes to have her friends over. J'aime écouter du jazz quand je reçois des amis. I like listening jazz when I have to receive friends over. I like listening. Ah ouais, d'accord. I like listening to jazz when I have friends over. When I have friends over. Je dois retrouver mes copains à 8 heures. I have to find my friends at 8. O'clock. I have to meet up with my friends at 8 o'clock. Elle aime recevoir ses amis. She likes to have her friends over. J'aime écouter du jazz quand je reçois des amis. I like listening to jazz when I receive. When I have friends over. Ah oui, c'est ça. Je dois retrouver mes copains à 8 heures. I have to meet up my friends. I have to meet up with my friends at 8 o'clock.
9 sur 120. I like this board. Means simple birthday. Oula. Je aime. Oula la la. La coiffure simple de cet homme chauve. J'aime la coiffure simple de cet homme chauve. Un chauve, ça peut avoir une coiffure? Ben non. Oh. Elle coud ce dont je vais avoir besoin. Elle coud. She says the ones that I am going to need. She heals sewing. She is sewing. Sewing. She is sewing. The ones that I am going to need. The ones that I am going to need. She heals sewing. She is sewing. Sewing. I bought exactly the ones that you wanted. J'ai acheté exactement celui que tu voulais. Je ai acheté exactement ce dont tu avais envie. Le noir est ennuyeux. J'aime les motifs colorés. The black is boring. I like colorful. The black is boring. I like colorful patterns. Yeah. The one that I'm getting rid of. The dog damaged it. Celle dont je me débarrasse. The one that I'm getting rid of. Celle dont je me débarrasse, le chien. Le chien le a abîmé. Le chien. J'aime la coiffure simple de cet homme chauve. I like j'aime la coiffure. I like the dresser
of this blade. Man, I like this. Ok, c'est pas blade. Ah ouais, c'est lame blade. Si je dis pas, si je fais pas erreur, blade. Ouais, c'est lame. Blade. Blade. I like this, but means simpler style. I like this, but means simpler style. I'm doing what you're unable to. I'm telling him now. Je fais ce dont tu es incapable. I'm doing what you are unable to. Je fais ce dont tu es incapable. I'm telling him now. Je lui I'm telling him no. Au moins, ça veut dire je lui dis non. Mais je vois pas de non. Ah, mais si. Je lui dis non. Non. Ah oui, c'est écrit. J'aimerais avoir cette coiffure pour le mariage de Léo à Paris. Tu crois que mes cheveux sont assez longs en juin? Léo se marie en juin. She is sewing the ones that I'm going to need. Elle couvre. Elle coud ce dont je vais avoir besoin. C'est un ancien modèle, tu ne le trouveras plus. It is a former design, you will not find it anymore. By pulling on this fragile fabric, you will tear it. En tirant sur ce tissu fragile, tu le déchireras. Elle coud ce dont je vais avoir besoin. She is sewing the ones that I am going to need. J'aime la coiffure simple de cet homme chauve. I like this bald means simple style. J'aime la coiffure simple de cet homme chauve. Bald. I like this bald. J'aime la coiffure simple de I cet like homme chauve. This bald mean simple her style. Oups. Imagine. Si tu les trouves jolies, ces chaussures, achète-les. Non, je n'achète que ce dont j'ai vraiment besoin. No, I only buy what I really need. Regarde cette veste. La veste. Je sais que le montant est plus élevé que prévu, mais... Tu peux acheter tout ce dont tu as toujours rêvé dans les magasins. Moi, tout ce qui, donc, qui est chez moi n'est pas avant moi. Ce modèle est très similaire. Vous this verrez. Model is, this model is very similar. You will see. Pour cette occasion, je vais acheter la robe dont je rêve depuis des mois. Donc. Tu peux dire ce que tu veux, moi j'adore cette robe.
Tu ne peux pas acheter tout ce dont tu as envie. You cannot buy everything you want. La robe que Sophie portait au mariage de Marc et Anne était superbe. Je voudrais trouver un modèle similaire pour la soirée de samedi. La robe que Sophie portait au mariage de Marc et Anne était superbe. Je voudrais trouver un modèle. Je crois qu'il y a une erreur avec le montant. I think there is a mistake with the hemant. I need a dress for a special occasion. J'ai besoin d'une robe pour une occasion spéciale. Après avoir vu le montant, il est parti très vite. Après avoir vu le montant, il est parti. After seeing the amount, he left very quickly. I would like to find a similar pair. J'aimerais trouver une paire similaire. J'ai besoin d'une robe pour une occasion spéciale. J'ai besoin d'une robe pour une occasion spéciale. I need a dress for a special occasion. L'ancien modèle était plus pratique, je trouve. The old model was more practical. I found. Sorry, the hemant is too high for me. Désolé, the hemant. La quantité est trop. Ça peut être dire le prix est trop élevé pour moi. Désolé, le montant. Désolé, le montant est trop élevé pour moi. Désolé, la quantité est trop élevée. Ah oui, c'est quantité. These are designs from the previous season. Ce sont des modèles de la saison précédente. Ce sont des modèles de la saison précédente. No, I only buy what I need. Maintenant, je n'achète que ce que j'ai besoin. Maintenant, je n'achète que ce dont. Everything that I need, it's your credit card. Tout ce que j'ai besoin, c'est votre carte de crédit. Ah, credit card. Tout ce don. Après avoir vu le montant, il est parti très vite. After seeing the hemant, he left very quickly. Sorry, the hemant is too high for me. Désolé. Le montant est trop élevé pour moi. No, I only buy what I need. Maintenant, je n'achète que ce dont j'ai besoin. Everything that I need, it's your credit card. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre carte de crédit. Hard, let's go.
Celui dont je me souviens était plus coloré. I want to suffer with a heart blossom. Celui dont je me souviens était plus coloré. The one that I remember was more colorful. I tore my new dress upon sitting down. J'ai porté ma nouvelle robe sitting down. Je sais pas. J'ai déchiré. Ah, c'est déchiré, pas porté. Ah oui, c'est wear. J'ai déchiré ma nouvelle robe en m'asseyant. Celui dont je me souviens était uni, tout noir. The one that I remember was... Ah, je sais plus comment on dit, uni, plain or black. The one that I remember was plain. The one that I remember was more colorful. Celui que je me souviens, celui dont je me souviens était plus coloré. Celui dont je me souviens était plus coloré. Tu as déchiré celui dont j'avais besoin. You tore the one that I need. You tore the one that I needed. You should wear more colorful clothes. Tu devrais porter plus de vêtements colorés. Tu devrais porter plus de vêtements colorés. Tu devrais porter. You should wear more. Tu devrais porter. Celui dont j'ai envie est uni, sans motif. The one that I want is plain. Without patterns. Yeah. You tore the one that I needed. Tu as déchiré celui dont j'avais besoin. Ce magasin est mieux que celui dont je reviens. This store is better. Ce magasin est mieux. This store is better que celui dont je reviens. This store is better. Que celui dont je reviens. This store is better than the one that I come. Wow. This store is better than the one that I'm coming back from. The one that I remember was plain or black. Celui dont je me souviens était uni, tout blanc. Celui dont je me souviens était uni, tout noir. Je crois que j'ai dit blanc, mais c'est noir. Celui dont je me souviens était uni. Celui dont je te parle est uni, pas à rayures. The one that I am talking about. The one that I am talking about to you est à rayures. Was... Ah, c'est quoi rayure? Rayure. Was stupid. Oh là là, celui dont je te parle est uni. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? J'ai écrit.
J'ai écrit n'importe quoi, j'ai traduit une autre phrase dans ma tête. Bravo. The one that she is getting rid of is polka dotted, not plain. The one that she is getting rid of. Getting rid of, c'est porte. Non, c'est se débarrasser. Ok. Celui dont elle se débarrasse est à poids. Bon, allez, je connais pas la phrase. Celui dont elle se débarrasse est à poids, pas uni. Celui dont tu te débarrasses peut leur être utile. The one that you are getting rid of. The one that you are getting rid of, celui dont tu te débarrasses, can be useful. The one that you are getting rid, the one that you are getting rid of, can be useful for them. Can be useful for to them. The ones that you are getting rid of can be useful to them. The puppy tore your silk dress by beating it. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est ce son? Allez, j'en sais rien. Le chiot a déchiré ta robe en soi en la mordant. Celui dont elle se débarrasse est à poids, pas uni. The one that she is getting rid of is Paul Cadot, not plain. The one that she is getting rid of, ça c'est bon, is Paul Cadot, not plain. Polka. The ones that I am talking to you about is plain, not stripped. Celui dont je te parle est uni, pas à rayures. Celui dont je te parle est uni, pas à rayures. The one that I want is plain without pattern. Celui que je veux est uni sans dessin. Celui que je veux est uni sans dessin. Celui dont j'ai envie est uni. The one that I want. I tore my new dress upon sitting down. J'ai déchiré ma nouvelle robe. Ah, j'ai déchiré ma nouvelle robe. I tore my new dress upon sitting down. En m'asseyant. M'asseyant. Non, il n'y a pas écrit dessus, c'est un essayant. Celui dont je me souviens était uni, tout noir. The one that I remember was plain or black. Ouais, ça, tu as déchiré celui dont j'avais besoin. Tu as déchiré. You tore the one that
I need it. You should wear more colorful clothes. Tu devrais porter des vêtements plus colorés. Tu devrais porter des vêtements plus colorés. Tu devrais porter. Oh, pourquoi j'ai écrit ça à porter? Je l'ai conjugué. Ce magasin est mieux que celui dont je reviens. This store is better. It's better than the one that I am coming from. I am coming back from. The store is better than the one that I am coming back from. The one that I remember was plain or black. The one that I remember. Celui dont je me souviens était uni, tout blanc. Celui dont je me souviens était uni, tout noir. Celui dont je te parle est uni, pas à rayures. The one that I am talking about. Celui dont je te parle. The one that I am talking about est uni. Is plain. Not. The one that I am talking to you. Celui dont je te parle. The one that I am talking to you. About the one that she is getting rid of is polka dotted, not plain. That she is getting rid. Alors, celui dont elle se débarrasse est à poids, pas uni. Celui dont elle se débarrasse. Est à poids, pas uni. Celui dont elle se débarrasse est à poids, pas uni. Wow. Celui dont tu te débarrasses peut leur être utile. Celui dont tu te débarrasses, the one that's you. Celui, the one that you are getting rid of, can be useful to them. Yeah. The puppy tore your silk dress by beating. Le chiot a déchiré ta robe en soie en la mordant. Le chiot a déchiré ta robe en soie en la mordant. Celui dont elle se débarrasse est à poids, pas uni. The one that she is. Celui dont elle se débarrasse. The one that she is getting rid of. Is polka. Ah, je sais plus si c'est doigt ou doigt tête. Poids. Not plain. And it's correct. The one that I want is plain without buttons. Celui dont je veux celui dont j'ai envie. Je me dis aussi que c'était pas français. Celui dont je veux est uni sans dessin. Celui
dont j'ai envie est uni sans dessin, sans motif. You should wear more colorful clothes. Tu devrais porter des vêtements plus colorés. Tu devrais porter des vêtements plus colorés. Ce magasin est mieux que celui dont je reviens. This store is better than the one. This store is better than the one that. That I am coming back from. Yes. Celui dont je te parle est uni, pas à rayures. The one that I am talking to you about is plain not striped, not striped. The one that she's getting rid of is polka dotted, not plain. Celui dont elle se débarrasse est à poids. Uni. Celui dont elle se débarrasse est à poids. Pas uni. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des bottes, ça. Dans le chat. The one that's I want his plane without buttons. Celui. Ah. Celui dont j'ai envie. Celui dont j'ai envie est uni. Sans dessin. Celui dont je te parle est uni, pas à rayures. The one that I am talking to you about is plain, not striped. Yeah, very hard. Minutes. Oh my god. Oh my god. Hard again. Aïe aïe aïe. C'est le tissu dont j'ai besoin pour coudre. This is fabric that I need to
to sew. I really like your new hairstyle. J'aime vraiment ta nouvelle coiffure. J'aime vraiment ta nouvelle coiffure. Où as-tu appris à coudre et tricoter comme ça? Où as-tu appris à coudre et tricoter comme ça? Je sais plus. And night, like that. Where did you learn? You damaged it, and what is more, it's dirty. Tu l'as endommagé. Et en plus, it is dirty, c'est ça là? Tu l'as endommagé. Et en plus, it's dirty. Mouillé? Non, c'est ça là. Tu l'as endommagé. Et en plus, c'est ça là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais te coudre une tenue vraiment spéciale. I am going to sew you really. I am going to sew you really special. Good fit. Yeah. I damaged it a little, but I did not tear it. I damaged it a little. Je l'ai un peu endommagé. But I did not tear it. Mais je ne l'ai pas déchiré. Tu l'as abîmé et en plus, elle est sale. You damaged it. And at least she is dirty. Non, c'est pas ça, c'est un truc avec what. You damaged it. And what more? Elle est sale. She is. You damaged it. And what is more? It's dirty. You are not going to put on this outfit for a wedding. You are not going to put. Tu ne porteras pas. Tu ne vas pas. Cette tenue pour le mariage, tu ne vas pas mettre. Tu ne vas pas porter cette tenue pour un mariage. Celle dont j'avais envie n'est plus disponible. The one that I want n'est plus disponible. Is not available. The one that I wanted, ah oui, c'est au passé, is no longer available. Where did you learn to sew at night like that? Où as-tu appris à coudre et tricoter comme ça? Où as-tu appris à coudre et tricoter comme ça? Celle dont je parle est similaire, mais unie. The one that I am talking about. Celle dont je parle, the one that I am talking about is similar, but plain.
The one that I wanted is no longer available. The one, celle dont j'avais envie n'est plus disponible. Celle dont j'avais envie n'est plus disponible. J'ai dû jeter celle dont mon fils avait peur. I had to get rid of the one that my son avait. My son had scarred. Ah, je sais pas comment on fait. My son was scarred off. Ouais, c'était ça. I had to throw away. Anyway. Jeter. C'est se débarrasser le reste. I had to throw away the ones that my son was carried off. She created the outfits of the biggest stars. Elle a créé les tenues des plus grandes stars. Elle a créé les tenues des plus grandes stars. Je vais coudre un bout de tissu là où il l'a déchiré. Hey, hello, thank you for the follow. Yes, I'm French. And you, where are you from? Oh, mais c'est un français peut-être, non? Taodo. Je suis aussi français, ouais, voilà. Ouais, tu vois, j'apprends l'anglais. Je vais coudre un bout de tissu là où il l'a déchiré. Ah, oh, c'est quoi déjà ça? Ah, français, mais français de France d'ailleurs ou français canadien? Français et Suisse, ok. J'y avais pas pensé à ça. Je vais coudre un bout de tissu là où il a déchiré. I am going to sew a piece of fabric là où il a déchiré. Ah, je m'en rappelle plus de ça. I am going to sew a piece of fabric. There were... Oh là là, it or hit. There were... Là où il l'a déchiré. Were it or hit. C'est où il l'a déchiré. Où il l'a déchiré. Ah ben, il fallait justement traduire mot par mot. Ok, d'accord. Bon. La tenue dont je rêve est vraiment trop chère. The outfit. C'est vraiment cool, Duolingo, au moins, pour commencer à apprendre une langue. Ouais, c'est cool, mais il manque la prononciation, quoi. Ça, c'est le gros problème. Hein. La tenue. Tenue dont je rêve vraiment trop cher. The outfit that I am dreaming is very too expensive.
The outfit that I'm dreaming about is really... Ah oui, j'ai écrit très rude, vraiment. It's really too expensive. Celle dont je me débarrasse, le chien l'a abîmée. Et toi, qu'est-ce que t'apprends sur Duolingo? The one that I am getting rid of et aussi il manque quelques précisions sur certains points de grammaire. Ce que je fais, c'est que je croise différentes sources. Ouais, voilà, il faut croiser tout le temps, hein. Mais bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas tout au même endroit, quoi. Alors, le chien, the dog damaged. Yeah. Où as-tu appris à coudre et tricoter comme ça? Where did you learn to sew and knit like that? Tu l'as abîmée et en plus, elle est sale. Tu apprends quoi, toi, sur Duolingo, Taodo? Tu fais l'anglais aussi? Tu l'as abîmé. And what is more... You damaged it, and what is more... at its side. It is dirty. Ça, c'est une phrase à traduire qui est bizarre. Tu l'as abîmé et en plus, elle est sale. Ouais, on peut dire ça pour un vêtement, alors une robe, genre tu l'as abîmé et en plus, elle est sale. Ouais. Celle dont j'avais envie n'est plus disponible. Esperanto et anglais. Esperanto, c'est quoi Esperanto? Ah ouais, Esperanto. Esperanto est une langue construite. Je crois que je rate ça. Celle dont j'avais envie n'est plus disponible. The one that I... The one that I wanted is not available. Ah, c'est no longer déjà. Available. Mon Dieu, aujourd'hui ça vient. J'ai pas dû jeter celle dont mon fils avait peur. I had to throw away the one that my son was scared of. Je vais coudre un bout de tissu là où il l'a déchiré. I am going to sew a piece of fabric there where he damaged it. No. Tore it. Where he tore it. Ouais. La tenue dont je rêve est vraiment trop chère. The hood fit that I dream is really too expensive. Ah, c'est dreaming.
There is that side dream. Déjà, j'ai oublié about. Ouais, le tout, je me suis trompé aussi. Bravo. Celle dont j'avais envie n'est plus disponible. Alors, créée par Lurie, Lazare, 19e siècle, elle est facile à apprendre et permet d'être plus à l'aise dans l'apprentissage d'une langue. Ok. C'est long ça sur Duolingo ou c'est rapide? Celle dont j'avais envie is no longer available. La tenue dont je rêve est vraiment trop chère. The outfit that I am dreaming about is really really too expensive. C'est disponible en français. Ok. Ben, je regarderai ça. Ah, c'est une bêta. Ok. Bon, ben, je vais t'abandonner. C'est l'heure d'aller faire la pause. Merci d'avoir follow. Merci d'avoir discuté. Et peut-être à plus. Bye bye.